Et salut à tous, c'est Odous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 28, je crois. J'avais dit 26 le dernier épisode, mais là c'est le 27 en fait, enfin c'était le 27 et là du coup c'est 28. Ah oui, donc on s'était arrêté là parce qu'on trouvait pas la sortie en haut. En fait c'était juste là. Oh. Régresser. Lâchez-moi! Bon. Ah oui, bah. Excusez-moi. Mais en fait, je m'en fous. On attaque. Hop. Voilà. Faire ça. Please. Voilà, on va se téléporter. C'est l'endroit où je suis actuellement, non? Je crois bien que oui. Ah, si je vois. Bah allez, go! Donc on va continuer à explorer un petit peu les zones. Dans l'espoir de trouver des choses. Là encore, ça a l'air d'être. Je vais un petit peu la flemme de vous attaquer. Donc je serai bien, je vais bientôt level up 29 pardon. La limite, ouais, allez. Pour faire des points d'XP. J'ai one shot là par contre. En tout cas j'espère. J'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt bien. J'ai travaillé sur une nouvelle bannière pour Twitter et YouTube. Parce que bah voilà. Vie ou attaque. Ouais, attaque. Déçu. J'espérais pouvoir le buter mais non. Donc j'ai travaillé sur une nouvelle bannière YouTube, donc elle est déjà disponible sur, YouTube et Twitter. Alors pendant le déchargement bien évidemment. Mais enfin vous pouvez la voir si vous voulez voir à quoi elle ressemble. Je suis pas non plus vraiment cassé la tête hein. Mais j'ai voulu faire un truc quand même d'assez propre et plutôt pas mal. Bah je l'ai fait. Oula oula oula. Armée. Non, laissez-moi tranquille. Eh ben, bien sûr. M'en fous, je peux m'en aller. Bah, je récupère de la vie. C'est excellent. Pas autant de vie que j'en gagne. Sérieux là? Salut. Je suis inutile. Ok. Non, c'est useless. Par contre, on va passer par là, je sais pas pourquoi. Olé. Olé. Hop. La carte, ok, donc je vais continuer, on va prendre ça. Nettoyage. Ah merde.
sûr. Merci. C'est le prix. En vrai, je vais soigner avec autre chose. Oh, c'est moins de santé. Voilà. Et à prendre ça avec 100 de santé, c'est quand même plus intéressant. Non, on va pas passer par là. Bah totalement ignoré. Oh, j'ai chaud. On peut pas l'attaquer directement. On y est presque. Pardon ? Ah, par là. Oh, joli. Non merde. Je trouve la technique. Ah, excuse-moi. Non 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 non. Ah. Non, c'est pas ça. Non. Ah. Je vais pas y arriver, c'est super. Merde. C'est pas assez haut. C'est pas assez haut. Il doit y avoir moyen, c'est pas possible. Comment on peut se passer ce côté? Ah, c'est presque. Hein. Je suis sûr, il y a moyen. C'est pas possible. Ils peuvent pas donner l'accès comme ça. Oh, joli. Il n'y a pas moyen de... Comme ça, non, en diagonale. Non, j'y étais, c'est pas juste. Parce que j'ai... Non, c'est bon. J'y étais, techniquement. Ça, c'est ma faute. Ah, ah, j'ai envie... J'ai vraiment envie d'y aller, quoi, c'est... Alors, respect ou pas? Ça pue. Olé! Véritable parcours du combattant. À mon avis, c'est pas tout parce que là, je me suis
volontairement casser la figure. Et ça me ramène là. Oh oh, qu'est-ce que c'est donc? Oh. Je crois que j'ai découvert quelque chose d'intéressant. Ou pas du tout. Si, il y a un coffre. What? Hein? Ah d'accord, il avait pas chargé. Je sais pas qui c'est. Je ne connais pas, je n'ai pas la... pas la référence, donc je suis désolé si... Il s'est barré. J'ai pas la référence, donc là je... Je sais pas. Ok, bah c'est cool. Du coup, il nous reste combien de clés? Je ne sais pas. 15. Oh, il n'a pas coûté beaucoup de clés. J'en avais 19. 4 clés, c'est pas énorme. Ok. Bon, faut que je passe. Quatre clés, c'est vraiment pas énorme, hein. Sachant que le premier m'avait coûté 6, enfin... Après, celui-ci était facile d'accès. Je ne sais pas. Donc, je pense pas avoir oublié quelque chose. Je vais monter, me téléporter, parce que voilà, j'ai pas envie de passer toute la... toute la vidéo à me balader dans cet endroit. Je vais me téléporter. Ouais, il reste encore une paire de téléportations. Et voilà la téléportation. Bonjour. Allez, s'il te plaît. Please. Please. Allez. Voilà, merci. Carte. Alors, oui. Il me reste une, je sais. J'ai pas tout exploré, t'es sérieux? Sous de ma gueule. Ou alors il reste une porte que j'ai pas trouvée. Enfin bref, on s'en fout, on va pas se téléporter là-dedans. Montagne du Black Moon. J'arrive pas non plus à voir où est-ce que je n'ai pas allé. Est-ce que je n'ai pas allé? Bah oui, bébé. Bah, je ne sais pas non plus, écoutez. Code des archers, j'ai envie de savoir. C'est tout à 100%. Donc écoutez, on va aller à la quête pour le chapitre 5, la légende. Bébé. Ah, pardon. Censé faire mal. Halt. Who goes? Oh, it's you. Apologies, Miss Roddick. Please, enter. Sérieux? Wouah. Il était tout seul? What? We welcome your presence, Zen Mithrarin. Preparations for war are nearly complete. Tout ce qu'il reste, nous sommes en lieu sûr ici. Qu'est-ce que la voix de lumière s'enflamme? En quoi je puis-je étudier? Surely you have more soldiers than this. Oui, c'est vrai que dit comme ça. General Gaius is nothing if not thorough. His forces have exterminated most Moonbloods from this land. Ah d'accord. You're all that's left. How do you expect to win with so few soldiers? Avec toi. We cannot. That's why we created Zen Mithrarin. You dust will turn the tide. Well,
No pressure or anything. Yeah. Does General Gaius know of this place? I fear he does now. What? How? One of our own has been keeping an eye on you since your travels began. A merchant, Sereth. Ah, d'accord. Aha! I knew that creepy merchant was one of you guys. C'est très perturbant parce que, en fait, ses yeux sont pixelisés. How did a moonblood operate so freely in the wildlands? He is a smart businessman. Deals in all the right places. Gaius's soldiers turn their gaze from him in exchange for free goods. However, no amount of bribery could cover up that Sereth was helping you to find us. And that's how Gaius found out. How much time do you think we have to prepare? Not long, I'm afraid. The whole purpose of Gaius's campaign is to wipe us from the face of this world. Once he knows of our final stronghold, he will send everything he has and destroy us. I see all sorts of lamps here, but no fire. Is this the way of the flameless light? It is, yes. In ancient times, the Moonbloods went by another name. We lived in a great society called the Sintok, and we wielded the knowledge to follow the way of the flameless light. Settle in, Dust. This could take a while. We sent a harness to power unlike any this world had ever seen. We built elaborate contraptions like these lamps, capable of piercing the darkness without so much as a spark. Well, obviously something went wrong, because we still have to build a fire every time Dust pulls out his map. Unfortunately, the ancient tomes do not say how the Sintok fell, and that knowledge has been lost. Perhaps intentionally. All we know is that our kind were made as outcasts, and that has remained true for countless generations. For the longest time, we believed the Moonbloods were the only ones left who know of the way of the flameless light. But we were wrong. When General Gaius began his purge, there were stories of their weapons. Stories of elaborate contraptions that seem to defy the natural world. Weapons that sound identical to those of the Sintok in the most ancient of tales. What kinds of weapons are we talking about? Arrows made of light. Machines that take to the sky like birds. And we're supposed to fight these things with your lamps. I did not say it would be easy. Nobody ever does. I did once, remember? Yeah, and you were wrong. Well, I'm here now. Is there anything I can do to help? We are spread rather thin. Our chief engineer, Sonjin, is having trouble with our camp's support systems. Go and speak with him when you can, and I'm sure he will explain further. There is also the matter of our scout, Kier. He is not checked in for many hours, but with our battle preparations, we have not been able to mobilize a proper search party. His patrol takes him east of our camp if you aim to find him. Ginger? Jin? Oh, Dust. It's you. Yeah, just me. Are you all right? I'll be fine. Just a lot to think about. Listen, about Jin. Yes? What was he like? He was very kind. Almost to a fault, really. I like him already. Yes, he had that effect on people. I like to believe it's what made you do all those wonderful things for Aurora and Mudpot. Aro was always testing me. Every time I made a choice, he would tell me if it was the right one. I was choosing whether to follow Jin or Cassius. I believe they were both trying to influence my actions. And you listened to Jin? Yeah, he's kinda hard to ignore. He is, isn't he? Or at least he was.
No, Ginger. I think you were right the first time. I think Jin continues to live through my actions. He's guiding me, keeping me on the right path. But what of your other half? Cassius murdered my family, Dust. He destroyed my village, killed my friends. How can you control such a terrible being? I feel his presence every time I swing the blade of Ara. I believe the Elder was right. Without him, I'd have been cut down long ago. But Jin keeps him from taking control. As long as Cassius lives within you, though, there's always that danger. You could always be pulled to a path of evil. Pas sûr. I won't lie. I felt him pulling me to take the quick and easy path, to leave the weak to fend for themselves, to show no mercy to those in my way. Perhaps someday you can be rid of his foul presence. Maybe. Someday. For now, I need him to defeat Gaius. There's no other way. I know. Still, I'm glad we were able to talk, Dust. Me too, Ginger. I'll be back before you know it. Be careful. D'accord. Vu le temps qu'il est, alors je suis vraiment désolé, on n'aura pas fait grand chose. On en aura quand même appris un peu plus sur l'histoire. Mais on va aller sauvegarder. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Hein, je suis désolé, j'ai pas beaucoup parlé parce que j'ai plutôt laissé la l'histoire se faire. Et je suis désolé d'être de m'être autant attardé sur les cartes. Enfin les différents endroits de la carte. Pour la simple et bonne raison que j'ai. Bah, je préfère finir le jeu avec le plus de possible. Plutôt que finir le jeu plus rapidement possible. Donc voilà, j'espère que cet épisode du coup vous aura plu. Je vous dis à bientôt et au prochain épisode. Allez, à plus!